Arafat Diguet cite les trois personnes œuvrant contre lui. Diguet Arafat accuse trois personnes à l'origine de la campagne de déstabilisation dont il fait face ces derniers jours. Selon lui, le Mollah, Emma Louès et la directrice de Tris, Nadette Tubiana, sont les trois personnes qui font tout pour déstabiliser sa carrière. Ces trois personnes sont très complices, je ne comprends pas pourquoi ils m'en veulent. Ils ont commencé les campagnes de déstabilisation contre le Yoro en m'interdisant sur la chaîne 13. Personne ne peut détruire le Yoro, seul Dieu me fait peur qu'il le sache, a martelé le chef de la chaîne. Mola exclut Claire Bailly, Debordo, Arafat et Che Guevara. Dans l'un de ses posts sur sa page officielle, le Mola a tenu à faire une mise au point sur la participation de certains artistes au prix des musiques urbaines et du coupé décalé dénommé le Primus 2019. À nos amis des médias, depuis janvier 2019, un courrier a été transmis à tous les artistes qui n'ont pas participé au Primus 2018. Nous vous confirmons que ceux-ci ne participeront pas non plus au Primus 2019, ni sur le festival, ni sur la cérémonie. Et le panel des professionnels de la musique qui font la catégorie ne les ont pas pris en compte. De nouvelles catégories font leur entrée avec plusieurs artistes étrangers qui ont déjà soumis leur dossier de participation. Le gagnant du premier DOS recevra une maison et un terrain. Les lots des autres lauréats sont en cours d'évaluation, a confié le Mola. Par ce message de Mola, il ressort que les artistes tels que Claire Bailly, Diguet Arafat, Debordo Lukoufa et Che Guevara qui n'ont pas participé à l'édition de l'année dernière sont automatiquement exclus de celle de cette année.